Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour voir ensemble ce qu'il est possible de semer et de planter dans son potager en ce mois de septembre. Allez, c'est parti! Alors avant de commencer, il faut savoir que quasiment tout ce qui était valable le mois dernier l'est toujours ce mois-ci. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller voir la vidéo précédente que semer et planter en août en cliquant sur le lien juste ici. Le mois de septembre, c'est également l'arrivée des températures plus clémentes et donc le moment où les plantes reprennent un peu de vigueur après avoir passé des moments de forte chaleur durant les mois précédents. Ainsi, les récoltes continuent souvent à être abondantes et on peut donc se constituer de beaux paniers de légumes. Et comme pour le mois précédent, septembre, c'est le moment idéal pour préparer son potager d'automne et d'hiver, et ce, d'autant plus si vous aviez des trop fortes températures durant le mois d'août qui pouvaient gêner la bonne germination des semences ou la bonne reprise des plantes. Alors pour ce qui est des semis, absolument rien ne change avec le mois précédent. On va donc notamment pouvoir semer des laitues en choisissant des variétés d'automne, voire d'hiver. On peut aussi semer tout ce qui est épinards, mâches, radis, navets, roquettes ou encore chicorées. Et comme pour le mois d'août, il est également possible de démarrer des semis d'oignons pour espérer avoir des récoltes au printemps en gardant à l'esprit que cet itinéraire de culture est surtout valable pour les régions avec un hiver pas trop rigoureux. En ce qui concerne les plantations, là aussi, il n'y a pas grand-chose qui change avec le mois précédent, si ce n'est qu'il est évidemment trop tard pour repiquer des courgettes. Ainsi, on peut planter tous les choux qu'on leur récoltera durant l'hiver. C'est aussi encore le moment de repiquer des poireaux, et si vous voulez savoir comment il est possible de s'y prendre pour les réussir au mieux, vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite. On peut également planter des laitues pour une récolte d'automne, voire d'hiver. Il y a aussi tout ce qui est betteraves, blettes ou encore navets qui peuvent encore être repiqués. Enfin, tous les semis qui ont pu être faits le mois précédent peuvent être plantés ce mois-ci. Ainsi, on peut avoir des épinards, de la mâche, de la roquette ou encore des chicorées. Alors même si j'essaye d'être le plus autonome possible en plants de légumes, il m'arrive encore parfois de me fournir chez des producteurs de plants bio à côté de chez moi. Et donc je tenais au passage à remercier Envers de Terre pour les plants de poireaux, laitues, roquettes et choux que vous avez pu voir dans cette vidéo. Ils sont situés à Saint-Lizier, en Ariège, ils ont une très grande diversité de plants et légumes et ils cultivent tout en bio. De plus, je n'ai jamais été déçu des plants que je leur prenais, donc si vous habitez dans le coin, surtout n'hésitez pas à aller les voir. Alors juste une petite précision, sachez que c'est également la bonne période pour planter quelques plantes vivaces, comme par exemple les artichauts, la rhubarbe ou encore les fraisiers. D'ailleurs, en parlant de fraisiers, j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet en vous expliquant comment il était possible de créer une fraiserie. Donc si ça vous intéresse, le lien s'affiche en haut à droite. Avant de terminer, il faut savoir que durant le mois de septembre, on peut également récupérer bon nombre de semences. Que ce soit sur les tournesols, les courgettes, les concombres, les tomates, les poivrons et j'en passe. Et donc tout ceci dans le but notamment d'acquérir une certaine autonomie semencière et ainsi de préparer la saison prochaine.
D'ailleurs, c'est pour moi le moment où j'actualise mon catalogue des semences avec cette année plus d'une dizaine de nouvelles variétés. Donc bien évidemment, si vous voulez soutenir la chaîne tout en récupérant des graines pour la saison prochaine, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil et peut-être que vous y trouverez votre bonheur tout en contribuant au mien. Je voulais aussi vous dire que ce mois-ci, ça fait 2 ans que je me suis lancé sur YouTube et pour moi, le résultat est juste incroyable. Je veux dire, vous êtes déjà plus de 37 000 à me suivre et quand je vois les super retours que vous me faites avec tellement de bienveillance, ça ne peut que m'encourager et me motiver à continuer ce que je fais. Donc vraiment, un immense merci. En tout cas, dans cette vidéo, je pense avoir fait un peu le tour de ce qui pouvait se semer et se planter dans le potager au mois de septembre. Et donc, comme d'habitude, si j'ai oublié quoi que ce soit, n'hésitez pas à le rajouter dans les commentaires pour que tout le monde puisse en profiter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Sur ce, je vous dis bonne continuation et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.